Pendant des années, il n'y a eu que des deltas. De 76 à 86, il n'y avait que des deltas. Les parapentes sont arrivées vers les années 86. Les premiers parapentes étaient des parachutes de pan. Maintenant, ce sont des ailes. Ça vole, ce sont des ailes. N'importe quelle personne qui a envie de voler pourra voler avec Cyril sans aucun problème. Le tout n'est qu'une histoire d'envie. Encore. Temporisation, tempo. Et tu cours jusqu'au bout, Melvin. Regarde devant toi. Ne regarde pas tes pieds. Voilà. On relève les mains doucement. Relève les mains. Va un petit peu sur ta droite, Melvin. Un des privilèges qu'on a en tant que moniteur, c'est d'être en bas au moment du premier vol. T'as l'air contente. Merci. Super. Ouais. C'est bien. On a des gens qui crient, on a des gens qui pleurent. On a des gens qui ne disent rien, mais on sait tous qu'ils sont en train de vivre un moment exceptionnel. C'est bien, okay, c'est plein de sensations. C'est pas du tout ce que je m'attendais parce qu'on n'a pas la sensation de qu'on est en l'air. Et c'est une bonne sensation. C'est à faire au moins une fois dans sa vie. Merci. Moi j'ai la patate, donc ça va. Ce qui me plaît, c'est que bah, la compétition, enfin, le vol en compétition, t'amène vraiment par, enfin, te fait passer par énormément d'émotions différentes. Et du coup, c'est vraiment ça qui est chouette, c'est que chaque jour, tu sais que ça va être différent. Tu sais pas au début de la manche quel va être le bon chemin. Ça, tu le sais vraiment à la fin, que quand tout le monde est arrivé au goal ou pas. C'est vraiment dans le mental que ça se joue. Une fois que tu as l'endurance, il va falloir justement réussir à gérer tes émotions. C'est une histoire de gestion d'émotions, en fait, la compétition.